furies noires. Les furies noires sont l'incarnation vivante de la colère des femmes. Ce sont les filles de Luna, Artemis, la chasseresse de la lune. Les légendes font remonter leurs origines à la Grèce et à l'Asie mineure, où elles furent nommées défenseurs du chaos. Partout où des femmes prennent les armes pour l'honneur, la vengeance ou le sang, l'esprit de la furie demeure. Les furies sont presque toutes des femmes. Tout humain ou louveteau, mâle, né d'une furie qui devient garou et donné à une autre tribu pour adoption. Pégase, leur totem tribal, n'accepte aucun mâle. À une exception près, les métis. Il accepte ses fils défigurés, peut-être par miséricorde, peut-être pour s'assurer que les furies noires n'oublient jamais leurs propres errements. Pour compenser le départ des mâles, les furies recrutent les femelles mécontentes d'autres tribus. Pour elles, toutes les femmes sont dignes de respect, d'honneur et parfois de vénération. Si aucune furie noire n'accepte qu'un homme agisse en maître ou tyran, ce n'est pas la misandrie qui unit la tribu. Il est vrai que certaines furies n'oublient et ne pardonnent jamais, mais d'autres sont prêtes à accepter les hommes comme partenaires, compagnons ou amants tant que l'égalité est de mise. Les furies lupus ont un lien moins direct avec les souffrances des femmes humaines, car les louves ne souffrent pas de discrimination réelle, mais elles sont intimement liées au chaos et apprennent rapidement l'empathie de leurs sœurs humaines et homidées. De nombreuses furies sont pleines de haine, mais ce n'est pas une vertu tribale. Leurs plus grandes qualités sont l'honneur, la fierté, le mysticisme du chaos et la volonté de changement. Les furies cherchent à tenir parole, coûte que coûte, à ne jamais se soumettre, à protéger et à profiter des zones sauvages, ainsi qu'à se battre jusqu'à la mort pour rendre le monde meilleur. Les rites tribus des furies noires insistent sur la tradition et sur la solidarité féminine. Les rites tribaux des furies noires insistent sur la tradition et sur la solidarité féminine. Elles organisent souvent des assemblées privées, les Kukloros. Sont des assemblées non officielles où les furies cachent leur nature de garou et invite les femmes humaines à participer à des sessions de spiritualité féminine. Les Zulaka Majelis sont des assemblées plus fermées, réservées aux seules furies. Elles impliquent des rites physiquement, mentalement et émotionnellement plus éprouvants, exprimant la qualité viscérale des serments de femmes louves à Gaïa. Comme les autres tribus, les furies noires se divisent intérieurement en camps tribaux. Les furies appellent ces camps des kukloi, ou cercles. Chaque kuklos est autonome. Mais si tous doivent en répondre devant les calices intérieurs et extérieurs, qui sont les conseils supérieurs de la tribu. Le calice extérieur est le plus ouvert. Les anciennes qui y siègent sont initiées lors de cérémonies publiques, et leurs noms sont sus de toute la tribu. Le calice intérieur est bien plus mystérieux. Ni ses membres, ni ses directives n'étant connues. Les traditions anciennes et les attitudes modernes s'affrontent fréquemment dans la tribu, mais elles ne sont pas toujours en désaccord. Les furies noires connaissent très bien le sort malheureux de nombreuses femmes dans le monde. Les anciennes, comme les jeunes, luttent contre l'esclavage moderne, le proxénétisme, les abus et d'autres outrages encore trop courants. Mais un fossé générationnel pessimiste. Certaines des anciennes sont des vieillardes de plus de 100 ans, si on peut croire les rumeurs et leur obstination est légendaire. Certaines jeunes ne savent rien des zones du chaos et préfèrent concentrer leurs efforts dans les escarres urbaines où elles ont grandi et où leurs sœurs continuent de souffrir. La rage unit toutes les furies. Apparence. Les furies de race pure ont une fourrure très sombre sous forme crinos, hispo et lupus, avec souvent des mèches blanches, grises ou argentées. Les métis de race pure sont plus rares, car leurs pères viennent toujours d'autres tribus. Parentèle et territoire. Les furies gardent férocement les dernières zones vierges et isolées du chaos. Leur spiritualité est profondément liée à ces archipels et bosquets sacrés, mais la nécessité les force à prendre des territoires dans des zones peuplées d'êtres humains. La parentèle des furies noires n'est pas ethniquement homogène. Il est courant d'y voir
adopter des parents d'autres tribus, généralement des femmes maltraitées par leurs proches. Les furies ne méprisent pas leurs parents mâles, même s'il est peu probable qu'ils participent au rite de la tribu. Totem tribal. Pégase. Le grand esprit cheval ailé en veut énormément aux hommes, ce qui sous-entend qu'il pourrait résider une part de vérité dans le mythe de Bellérophon. Comme certaines furies utilisent la métaphore poétique de la bride de Bellérophon pour parler de la main de l'homme quand il tente de s'emparer des terres les plus sacrées du chaos. Les autres totems prisés par les furies noires comprennent la panthère, les muses et méduses. Que pensent-ils des autres groupes? Les arpenteurs silencieux. Ils vont presque partout et voient pratiquement tout. Il est tentant de rejeter les loups sans territoire, mais ceux-là ont des choses à dire. Astrolâtre. Ce nombrilisme peut-il vraiment nous apporter des réponses? Croc d'argent. À un arbre mourant avec trop de branches pourries. Il est difficile de trouver les rares qui restent encore fortes et saines. Enfant de Gaïa. Ils sont dignes de confiance, ce n'est pas sans raison que les mâles de notre lignée se tournent vers la licorne quand Pégase les rejette. Tiana. Il est bon d'avoir des alliés qui prennent aussi sérieusement les joies de vivre que les nécessités de la guerre. Dommage qu'ils préfèrent les premières. Fils de Fenris. Je ne supporte pas ceux qui pensent qu'être le plus fort signifie être le meilleur. Griffe rouge. Je comprends leur colère, mais ils vont trop loin. Un loup enragé est un danger pour sa meute. Marcheur sur verre. De bons amis à avoir dans les escars et la preuve qu'on ne peut faire confiance à personne d'autre dans les zones du chaos. Rongeur d'os. Comme nous, ils défendent ceux qui en ont besoin. Dommage qu'ils ne soient pas plus courageux. Seigneur de l'ombre. Si tu as quelque chose que convoite un seigneur de l'ombre, garde-le caché. Ils ne veulent pas partager notre fardeau. Évidemment, mais il vaut mieux se taire à propos de nos grottes dissimulées. Uctena. Comme nous, ils savent que la sagesse se cache en de nombreux lieux et dans bien des cœurs. Contrairement à eux, nous savons qu'il ne faut pas s'aventurer dans les domaines les plus sombres. Wendigo. Nous pouvons comprendre leur souffrance et celle de leur parentèle. Dommage qu'ils nous considèrent comme une partie du problème. Les différents schismes idéologiques qui ont secoué la tribu des Furies Noires sont officiellement désignés sous le nom de Kukloi, singulier Kuklos, ou cercle, et jouent en gros le même rôle que les camps dans les autres tribus. Bien que les membres appartenant à différents Kukloi ne puissent ne pas s'entendre, ils ne se combattent pas, du moins pas ouvertement. Des querelles, et dans les cas de la sororité et de l'ordre de notre mère de miséricorde, des tensions séculaires peuvent survenir. Mais le calice extérieur voit d'un très mauvais œil les conflits intestins trop voyants. Les Amazones de Diane. Les Amazones de Diane ne se considèrent et ne se désignent pas en tant que Kuklos officiels. Plutôt, le terme fait référence à toute furie noire principalement désireuse de prouver ses prouesses au combat. Entre rendre justice pour un viol ou combattre glorieusement quelques créatures du ver, les Amazones choisissent invariablement la seconde option. Même si les membres les plus conservateurs de la tribu les prennent de haut, les Amazones sont vaillantes et sincères. Elles sont les premières à défendre l'honneur des furies face aux étrangers, et elles forment l'avant-garde de la tribu lors des assauts menés contre les enclaves du ver. Les Bacchantes, ou Ménades. La mission d'une Bacchante consiste à détruire les biens et moyens de subsistance des pires contrevenants aux lois de Gaïa. Violeurs, tueurs en série, matricides et grands pollueurs. Elle infligera personnellement un châtiment brutal à tout criminel qu'elle repère. Ses attaques sont dissimulées aux mortels et prennent l'allure de catastrophes naturelles dans les cas les plus extrêmes, bien que les Bacchantes ou Ménades restent aux côtés de leur tribu quand un rampant du Nexus ou un danger menace le cairn. Elles préféreront s'abattre, tel un marteau, sur ceux qui ourdissent ou commettent des crimes inspirés par le ver. Les Filles de la Lune. Les rituels et la doctrine des Filles de la Lune font penser au paganisme New Age moderne, et elles s'efforcent de garder l'esprit de Gaïa en vie grâce au changement, incarnant la force du chaos du mieux qu'elles le peuvent. Elles adaptent sans effort les attributs du monde moderne pour les rendre conformes à leur enchantement. Les inscriptions, autrefois gravées dans la pierre, s'esquissaient à la plume dans les années 1700 et sont désormais reproduites sur l'écran d'un ordinateur portable de notre jour. L'ordre de notre mère de miséricorde.
Quand la foi catholique s'est répandue dans toute l'Europe, dans le siège de l'Empire romain, l'ordre a choisi de ne pas combattre directement cet outil patriarcal, mais de l'infiltrer et de le convertir. L'ordre œuvre à la réforme de la société à l'aide de ses propres outils, la politique, les arts et la religion. Quand ils s'associent à ce Kuklos, les garants rejoignent parfois un ordre religieux humain. Cela peut provoquer des dissensions intestines car ils doivent jongler entre servir Dieu et l'Église qu'ils ont rejoint, tant en tenant compte de leurs responsabilités fondamentales devant Gaïa. La mère vengeresse, sous faction. Les crocs d'argent font dans une certaine mesure confiance à la mère de miséricorde. Ils voient dans ce Kuklos un intermédiaire précieux entre eux et la société des mortels. Cette petite sous-faction de l'ordre exploite cette confiance et observe les faiblesses intestines des crocs dans l'espoir de renverser la mainmise de cette tribu, principalement patriarcale, sur la nation. Les pirates. La mission des pirates consiste à découvrir de nouveaux territoires chaotiques pouvant être consacrés à Gaïa et transformés en cairns. Ce Kuklos voit ses rangs se réduire car il reste fort peu de ces lieux dans le monde. De rares pirates pensent qu'ils doivent trouver un nouveau corps pour Gaïa ailleurs dans l'Umbra, dans un lieu encore inconnu du ver. Les autres membres s'attachent encore à découvrir des sanctuaires de chaos dissimulés dans lesquels construire des cairns ou des sites autrefois sacrés pouvant être à nouveau dédiés à la déesse mère. La sororité. La sororité gère des réseaux de contacts et d'informateurs rivalisant avec ceux des marcheurs ou des rongeurs. De nombreuses sœurs font office de fournisseurs capables d'obtenir tout et n'importe quoi, armes, munitions, sang de géants, etc., pour un prix. La sororité fit son apparition pendant l'Inquisition et s'occupait alors de mettre à l'abri de l'Église les garous, parents et femmes éclairées. En cours de route, elles se rendirent compte que les renseignements qu'elles détenaient pouvaient être aussi utiles à leurs sept alliés que des griffes ou crocs de rechange. Bien qu'elles voyagent moins de nos jours, leurs informations et les articles dont elles font le commerce constituent un atout important pour la tribu. Le temple d'Artémis. Les adeptes de ce Kuklos, le plus conservateur des Furies, sont étroitement alliés aux Bacchantes, dont elles tempèrent la fureur grâce à leur sagesse. Ces femmes désirent voir les Furies travailler de concert et encouragent des efforts similaires au sein des autres tribus. Aux yeux du temple, cependant, les meutes intertribales représentent un scandale, car elles contreviennent aux intentions manifestes de Gaïa, puisqu'elle a clairement partagé la nation en différents clans.